Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la découverte de ce 21e siècle, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas le séquençage du génome, c'est la découverte des patients. Et effectivement, par la loi du 4 mars 2002, celle du droit du patient, il a fallu attendre quand même le début du 21e siècle pour découvrir que les patients avaient des droits, eh bien nous constatons encore aujourd'hui que ces droits ne sont pas tous respectés par l'ensemble des acteurs du système de santé. Et particulièrement quand ils sont bafoués ou ignorés par bon nombre de soignants ou de structures d'établissements de soins. Et donc, c'est pour nous extrêmement important que ces droits-là soient totalement respectés et surtout construits et co-construits avec nous-mêmes, avec les représentants des usagers de la santé dans les établissements, mais au-delà aussi, que ces droits soient aussi respectés dans les territoires de santé, dans le premier recours et aussi dans le cadre des institutions. La démocratie en santé, qui est représentée par France Asso Santé, doit pouvoir s'exercer à tous les niveaux de notre système de santé et les droits des usagers de la santé et des patients doivent être reconnus partout. À l'hôpital, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir des soignants, le pouvoir administratif et le pouvoir des patients, ou des usagers de la santé. On a trop longtemps ignoré ce pouvoir-là. Il faut rétablir ce pouvoir. Et nous pensons qu'effectivement, les usagers de la santé doivent pouvoir évaluer l'organisation et la qualité et l'efficience des soins qui leur sont programmés ou qui leur sont donnés dans le cadre des établissements de soins, même au-delà d'ailleurs. Et donc, nous considérons que par des structures représentatives ou participatives que sont les commissions des usagers de la santé, mais aussi dans le cadre des certifications des établissements faites par les institutions et la haute autorité de santé, l'évaluation par les usagers de la santé, par les patients, doit être véritablement un axe fort de l'ensemble de ces évaluations-là. Donc, nous souhaitons construire et co-construire avec l'ensemble des acteurs ces critères d'évaluation, comme on peut appeler les PREPS, les PROMS, la qualité, l'évaluation de la qualité, mais aussi des objectifs et des organisations aussi qu'on peut mettre en place. Et donc cette évaluation-là doit être co-construite avec les usagers de la santé dans le cadre, encore une fois, de la représentation des usagers de la santé, c'est-à-dire des CDU ou alors des associations représentatives des usagers de la santé. Notre système de santé a une constante, c'est-à-dire qu'il est jacobin, et donc les décisions descendent d'en haut, de Paris, vers effectivement les ARS et au-delà sur les territoires. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut modifier et renverser cette gouvernance-là. Il faut qu'effectivement, les usagers de la santé, mais aussi les acteurs de proximité, puissent eux-mêmes réfléchir, construire l'organisation des soins, l'organisation de la santé sur des territoires de santé. Et que les ARS ou le pouvoir central ne doivent être que des régulateurs et des accompagnateurs de ces modifications-là. Et donc, nous souhaitons que cette démocratie en santé s'exprime au plus près des attentes et des besoins de l'ensemble des citoyens. Pour nous, il faut renverser la gouvernance, non plus avoir des préfectures sanitaires que sont les ARS, mais avoir de vrais parlements sanitaires territoriaux qui construisent l'offre de soins en fonction des attentes et des besoins. Et ces parlements doivent être composés de l'ensemble de tous les acteurs et à côté d'eux, des ARS qui doivent être des facilitateurs, des liens entre l'ensemble des territoires pour pouvoir mieux répondre aux attentes et aux besoins. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Je pense que cette crise-là, aujourd'hui, remet en cause la gouvernance, que ce soit dans les établissements, mais que ce soit dans l'ensemble de notre système de santé. C'est certainement en redonnant de la parole aux acteurs de proximité, dans des vrais échanges démocratiques sur l'état de santé d'une population, que nous arriverons à construire un système de santé efficient et efficace et de qualité.